Buenos días, buenas tardes. Bonjour ou bonsoir. Dans un dia 3, estudios sociales, ou bien ça nous reste sciences sociales là. Pour tel, c'est le niveau básico, ou bien séptimo y octavo. Avec professeur Jimena Ayala et Arturo Jaque. C'est deux professeurs qui enseignaient estudios sociales dans la classe. Bien, j'en ai toujours dit, on va mettre nom, classe là, et puis date là. En pile, attention, avec Giassa, parce que, en pile, élève, guettant, remettre Giassa sans qu'il n'y ait pas fait rien là-dedans. Il n'y a pas fait rien. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour travailler là-dedans. Moi, conseiller tout le monde qui te remettre lui, sans rien faire pour nous capables. Retournez faire encore parce que c'est une évaluation qui est vraiment importante. Je conseille tout le monde reprendre pour nous capables faire guia correctement. Mais là, et raison qui fait un peu le monde pas fait rien là-dedans, il n'y a pas rempli, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. OK. Guia ça, c'est un guia qui parle surtout sous l'âge. Par exemple, préhistoire, antiquité, l'âge moyen, l'âge moderne et puis l'âge contemporain. Là, mes questions que vous avez pour nous répondre. En plus, vous n'avez pas de questions. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'espace, vous n'avez pas cherché questions. Mes questions que vous avez pour nous travailler, c'est 12, non, 7 questions. C'est 7 questions. Yeah? OK. Non, disons 6 questions. 1, 2, 3, non, 7 questions. OK. Il dit que, et dans quel âge, eh bien, événement historique, ça y a passé. Hein? Premier point, il dit que pandémie coronavirus là, dans qui âge qu'elle est passée? Nous avons plusieurs âges là. Nous avons l'histoire, l'antiquité, l'édad média, l'édad moderne, pardon, l'édad contemporaine. Eh bien, selon vous-même, et pandémie a commencé en 2019, 2020, 2021, eh bien, dans qui âge, dans qui édad nous y actuellement? Eh bien, nous avons édad contemporaine. Ça veut dire entre 1789 jusqu'à X. Ça veut dire dans 21e siècle. Ça veut dire, ou a dit que pandémie a été passée, ou bien li passé dans édad contemporaine. C'est seulement ça a écrit. Eh bien, indépendance États-Unis, dans qui date l'été passé? Qui année indépendance États-Unis était fait? Ou bien dans la recherche, soit dans Google, ou bien dans le cahier, ou à besoin dans qui année indépendance États-Unis était point? Ou bien dans qui date li, dans qui tranche d'âge li? C'était dans l'édad moderne ou bien c'était dans l'édad contemporaine? Mais bientôt, pour le Renacimiento, la Renaissance, année, une période, tu as parlé des années de la Renaissance, eh bien, on a dit, mais qui est d'adler? À partir des années, on a vu dans le tableau ça, c'est à partir des tableaux ça, on a vu que, mais tel est d'adler. OK, l'apparition des de premières civilisations, qui est d'adler, et la découverte de l'Amérique, qui est d'adler, qui année Amérique t'es découvert. Qui année? Ouais, qui est d'adler à partir des échelles ça. Et puis, il y a aussi que la découverte del fuego, du feu, na, qui est d'adler, c'est très facile. On prend une feuille blanche, dans tête feuille là, on met nom, et puis cool so, ça veut dire classe là. Il y a plein qui ont un problème avec ça, on dit cool so, il n'y a pas. Il va passer cool soit c'est un cours. Non, cool soit c'est classe. OK? Cool soit c'est classe.
mettez classe et puis date là. Et puis, vous mettez studio social. Vous mettez non professeur qui connaît le bois. Si c'est Jimena qui fait le bois, vous mettez Jimena. Si c'est Altolo Hake, vous mettez Altolo Hake. Et c'est sûr et certain que la majorité des gens qui veulent écouter ça, c'est les gens qui ensemble avec Altolo Hake. Vous mettez numéro 1 et vous mettez point yo. Point 1, point 2, en chiffre romain, jusqu'à point 7, j'envoie là, et vous mettez réponse sur, seulement réponse sur, ya? Et puis, vous avez une partie en bas, tout, ça, yo, question ça, yo, ou après, yo, tout répond, yo, mais il faut que vous liez tout. Ce fait que yo, bah, yo, nan guia, qui est l'historien, ou après, faire un bref résumé des définitions que yo, bah, yo, déjà, bah, aux définitions, mais ou même, ou après, faire un résumé pour mettre dans la feuille là. OK. Ou ap descend pi ba nan DA, yo di ke pou identifier les étapes de la préhistoire, date, origine, forme de vie, la tout nan tablo sa. Ou ap seulement fè yon résumé nan feuille blanc à partir de ça yo parce que yo déjà là, ou fè un résumé, ou mette nan feuille blanc, ou mette numéro question. Ya? Et dans trois tout, il a dit que pour observer image ça, ou à déterminer qui ça yo signifie. Yo ba ou question là, yo ba ou réponse là, mais ou même ou pour faire un résumé, hein? Ou faire un résumé dans feuille, ou mettre numéro 3, faire un résumé à partir de ça yo là, comprendre? Et puis ou remettre. Question 4 là tout et yo pose une question, yo tout ba ou réponse là, mais ou faire un bref résumé pour capable répéter. Eh bien, et c'est tout que nous joignons Guia 3 pour tel seul niveau basico. Malheureusement, en pile monde pas répondre Guia ça parce que yo pas espace, yo pas répondre ni moi conseiller nous refaire Guia parce que c'est une évaluation qui très important et heureusement, yo prolonger date pour premier trimestre parce que yo remarqué surtout étudiants haïtiens, ils n'ont pas fait rien du tout. Eh bien, nous venons avec objectif ça pour nous capable expliquer nos guides comment pour nous faire. De façon, nous avons jusqu'à 15 mois ça pour nous capable remettre guide 3 et guide 6. On espère que nous te comprenons et nous allons travailler bien pour nous capable remettre guide ça le plus tôt possible.